Aujourd'hui, pour Sur la route des golfs, on s'en va au club de golf BT à La Sarre rencontrer Rachel Luneau, directrice générale. Bonjour Rachel, merci de prendre du temps avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue en Abitibi. Ça me fait plaisir, très contente d'être ici pour la première fois aussi loin dans le Québec. Le club de golf BT La Sarre figure vraiment comme capitale, en fait comme centre de la Abitibi Ouest, hein, depuis conçu dans les années 1980 avec un designer de renom comme Graham Cook, quelqu'un qui n'a jamais vraiment mis les pieds ici. Là. À quoi il doit s'attendre comme terrain de golf? C'est un terrain quand même pas trop difficile, pas trop montagneux. Facile à marcher, avec quand même quelques difficultés sur le parcours. Ah oh oui, vos grands verres. Oui. C'est ce qui m'a jamais dit en arrivant, c'est des grands verres, des trappes bien placées. On voit vraiment là, le côté de l'architecte quand il a fabriqué le terrain ici. Là, ça m'a vraiment charmé hier. Un club de golf comme vous, implanté dans la région, vous êtes vraiment le poumon pour le golf ici, dans votre région au niveau de la relève. Vous travaillez avec beaucoup de programmes différents. Veux-tu m'en glisser un petit mot au niveau de comment vous travaillez? Oui, on travaille avec les femmes. On a créé le Golfeuse d'enfer. C'est la troisième saison. Les femmes adorent, fait que ça permet aussi d'avoir une clientèle plus féminine. On a aussi les juniors. On a commencé, c'est la troisième saison aussi. Cette année, on avait 68 oui. jeunes inscrits. C'est impressionnant. Deux jours semaine pendant 6 semaines durant l'été. On a eu aussi le parascolaire toute l'année okay. avec la commission scolaire. Oui. Notre entraîneur offrait des cours de golf intérieurs. Ça, c'est vraiment le fun. Ça veut oui. dire que la relève au club de golf BT est vraiment bien implantée. Oui, vraiment. Ça, c'est important pour l'avenir du golf et la santé du golf. Là, exactement. C'est chapeau à vous et chapeau au club de golf et à tout le monde qui travaille ici. Depuis une trentaine d'années, vous êtes en existence, avec la deuxième fois en 1996 pour oui. le club de golf ici. Vous travaillez depuis beaucoup de temps à diversifier vos activités. Vous oui. avez d'ailleurs changé votre nom en club de golf. On a enlevé le golf. On a enlevé golf pour s'appeler maintenant Club BT Incorporé parce qu'on diversifie nos activités l'hiver. Oui. On a maintenant des pistes de raquettes, des pistes de ski de fond, fight bite. On a de la descente en tube. Puis à l'automne 2024, pour l'hiver 2024-2025, on va avoir un remonte-pente électrique pour les gens. Fait que c'est un beau projet là, qui va s'installer là, dans les prochains mois. Génial. Puis est-ce qu'il y a des nouveaux projets pour les prochaines années au niveau du club de golf qui s'en vient aussi également au niveau plus de la saison de l'été? Bien, c'est sûr que, bon, le surintendant, cette année, a fait un nouveau départ sur le trou numéro 4 pour oui. Les départs bleus. Ça va être quelque chose de bien. Il fait toujours de l'amélioration à chaque année. On travaille sur un projet pour rénovation et agrandissement du chalet aussi. On aimerait un jour mettre des simulateurs, faire une salle de réception pour accueillir plus de personnes ben et oui. tout ça. Fait que oui, on a quand même plusieurs projets sur la table. C'est le golf est en effervescence ici à La Sarre et c'est super cool. Tu as choisi un trou pour moi parce que moi, j'ai hâte d'aller jouer un parcours, un trou avec toi. Quel trou qu'on s'en va jouer? On s'en va jouer le trou numéro 8, qui est un petit par 3. Oui. Mais il y a quand même un lac en avant, fait que c'est une difficulté supplémentaire. On va aller voir ça. On y va. Donc, trou numéro 8, c'est une belle normale 3 avec encore une fois un grand vert. Hein? Oui. Un vert qu'on voit à deux palets, mais là, on est chanceux. Aujourd'hui, le drapeau est rouge. Oui, donc, on ne sera pas trop au défi. Mm-hmm. On ne pas trop de défis. Est-ce que tu as déjà fait un trou d'un coup ici? Non, jamais. On va le faire aujourd'hui. Pas on encore. Va essayer. Pas encore, pas encore. Alors aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, peut-être. Peut-être. Alors, on va. Est-ce que tu as la chance, Rachel, dis-moi, de jouer quelques fois par semaine, Marie, ton rôle de directrice? J'essaie de. Bien, je fais la soirée des femmes le mardi, oui. puis j'essaie de jouer au moins une fois dans la fin de semaine avec mon conjoint. C'est bon, ça? Deux fois semaine. Parce qu'en tant que directrice, des fois, hein, c'est dur de trouver du temps pour jouer au golf. Oui. C'est quand surtout quand la saison bat son plein, là, juillet à août, là, c'est plus difficile. Alors là, on prend le temps d'en jouer un petit oui. trou aujourd'hui. Oui. On va avoir du plaisir. On essaye de le mettre comme au golf, hein, le plus près du drapeau, mais on essaie. Il faudrait que tu reviennes plus souvent, oui. si ça me permet de oui, prendre ben, du temps. C'est une bonne idée, ça. Fait que j'y vais ou ben oui, tu peux y aller avec plaisir. C'est beau. Bon, roule, 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 roule. Bon, c'est bon. Presque dessus. Presque. Dessus. Ah, beaucoup. Ça va-tu être fort? Oh non.
Oui. Arrête là. Oh yes! Parfait, ça. On est sur le verre. On va aller faire un birdie aujourd'hui. Oui. Je suis loin. Puis quand tu as commencé à jouer au golf, c'est sur quel parcours tu as commencé? Ici. Ici? Oui. Ouais. Ben, c'est ton parcours de... Oui. De vie. Un petit peu à du parquet, mais moins. Wow, pas trop fort. Oh, c'est bien essayé. Oh! Bonne! Je l'avais dit qu'on prend bonne! Ouais! Hey, il ne faut pas que je parte d'un terrain sans que je fasse un birdie. Non, non, non. T'as un beau pop? Non, non. J'enlève-tu le drapeau? Ah, presque aussi! Bon, ben moi, ça va être boogie. C'est beau. Boogie, pour moi. C'est correct. Oui! Vous avez réellement un super parcours de golf qui n'a rien envie au parcours de ville. Honnêtement, c'est un parcours que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer. Et j'invite tous les golfeurs du Québec à venir ici au Québec Golf Lasseur d'ici la fin de la saison, ou même encore à mettre sur votre agenda un trip en Abitibi pour le golf. Et venir ici faire un tour à Lasseur. Vous allez être émerveillés par le golf. Et je suis sûre que le golf va vous donner une petite leçon dans les débuts, dans les premières parties que vous allez jouer ici. Parce qu'au niveau des verres, là, c'est un beau défi. Accessible à tout le monde, bien sûr. Mais pour les golfeurs aguerris, vous allez... adorer votre partie de golf. Merci pour l'accueil, Rachel. Merci beaucoup de votre visite, puis bienvenue à tout le monde de partout au Québec. On vous attend avec impatience. Vous êtes très bien reçus, je suis sûre et certaine. Merci. Bien, merci. Club de golf BT Lasseur, c'est ma première fois. Ça semble merveilleux comme parcours de golf et on s'en va découvrir ça dès maintenant. Une belle balle, un aller large pour une normale 5. Et on va essayer de relever le défi du club de golf BT Lasseur. On est dessus. Hein? Le plus difficile, c'est pas d'arriver proche du green, c'est d'arriver près du drapeau. Les circonstances, super pote. On m'avait parlé de la qualité des verres ici au club de golf BT et je dois dire que mes amis avaient raison, c'est des verres grands, magnifiques et qui roulent très bien avec des super ondulations. Je pense que c'est la particularité du terrain Graham Cook, architecte. J'adore mon expérience au club de golf BT Lasseur. Le design du parcours me charme particulièrement. Il y a des larges allées, des beaux plans d'eau, des grands verres, comme j'ai déjà parlé, des terres de départ super immaculées. Honnêtement, ça vaut la peine de venir en Abitibi pour venir jouer ce parcours qui est, à mon avis, un des beaux parcours de golf qu'on a ici au Québec. Bon, drapeau bleu, balle au fond. On ne sait jamais si elle a trop défoncé, trop roulé. C'est à voir sur le green. Oh!
C'est des immenses verres. Attendez-vous à avoir des longs potes ici parce que les possibilités que vous ayez des potes de 30-40 pieds sont bons. Ça dépend juste de vous à quel point que du 100 verges, on est efficace. Ça, ça finit bien un 18 trous. Yeah! Il me l'a pas donné. Super expérience ici au club de golf BT. C'était ma première fois et ce ne sera pas la dernière fois qu'on vient ici expérimenter le club de golf. C'est réellement un super design de terrain en super qualité. Vous devez venir visiter ce terrain-là d'ici la fin de la saison ou encore le mettre à votre agenda en 2025 parce que ça vaut le détour. Les grands verts, les allées larges et vastes, les super vues de panorama qu'on a ici et la région avec nos coups de cœur qu'on vous présente à l'instant. Mais on va aller se rafraîchir avec une petite bière sur la terrasse. Le restaurant offre déjeuner, dîner, souper du lundi au dimanche, donc ça vaut la peine d'aller goûter à leur cuisine. La BTB-Ouest, c'est un territoire tellement vaste que vous devez absolument venir ici à l'infotourisme, vous procurer cette carte, en fait, cette mine d'or d'attrait. Et vous voyez, le centre, c'est le club de golf, BT. Et il y a environ 20 points d'attrait nature et plein air, différents points de patrimoine et des suggestions de restaurants. C'est votre ressource super utile pour votre escapade de golf ici en Abitibi-Ouest. La ville de La Sarre a fêté son 100e anniversaire en 2017 et tout au long de la rue principale, sur le long de 1 km, vous avez différents panneaux explicatifs sur l'histoire et le patrimoine de la ville. Ça vaut la peine de prendre le temps de s'informer et d'en apprendre davantage sur l'histoire d'ici, une des villes patrimoniales du Québec. À 7 minutes de la ville de La Sarre, vous retrouvez ici la montagne à Fred. C'est un sentier de 4,7 km. C'est un des 5 collines, en fait, de l'Abitibi-Ouest, parce qu'en Abitibi, on est sur le bouclier canadien. Donc ici, vous allez pouvoir apercevoir 2-3 points de vue pour une randonnée qui vaut la peine de venir se délier les jambes à quelques minutes de la ville de La Sarre. Un beau sentier qui est accessible, c'est pas super à pic. Ça se marche bien. Et... La BTB-Ouest, c'est un immense territoire et à quelques minutes de La Sarre se trouve la municipalité de Palmarole et celle-ci donne sur l'immense lac qui est Abitibi. Il y a une plage municipale, la plage Rotary. Des super tables à pique-nique pour prendre le temps d'admirer l'ampleur de ce lac-là. Et c'est ici aussi que les gens qui aiment, qui adorent la pêche, peuvent s'adonner à leur passion, à leur deuxième passion après le golf. C'est malade. Bon. Je me dis que c'est un bon plan, faire le pain de fromage, le pain frais, puis faire un pique-nique en nature. Les amateurs de microbrasserie, vous avez une destination à visiter ici à La Sarre, la Pierre de Fée, une microbrasserie où ils font des micro-brassins que vous pouvez prendre en fait pour emporter en canette, pour déguster sur la terrasse en arrière ou encore dans votre parc préféré. Le bar L'Alambic, c'est votre endroit si vous voulez essayer différentes bières de microbrasserie de la région. Ils ne brassent pas leur bière ici. Ils sont distributeurs des bières des microbrasseries de l'Abitibi. Il y a le Prospecteur et la Broubrou. Bref, ça semble super délicieux. L'ambiance est parfaite, avec une belle terrasse. C'est à venir. Le sentier multifonctionnel est situé à 550 mètres du club de golf et c'est votre destination si vous désirez encore vous délier les jambes après votre partie de golf ou avant votre partie de golf. Vous pouvez également faire du patin à roues alignées ou du vélo. Et faites à noter, le sentier contourne le club de golf BT La Sarre. J'espère
j'espère que vous avez apprécié découvrir le club de golf Beatty à La Sarre en Abitibi-Ouest et que ça vous a motivé à mettre cette destination dans votre horaire de fin de saison 2024 ou encore pour la saison 2025. Je vous le dis, il faut absolument venir jouer au golf ici en Abitibi. Ça vaut le détour parce que c'est riche en nature et riche en coups de cœur sur la route des golfs. Merci de nous avoir été à l'écoute et nous, on se dit à la prochaine.